Bonjour, aujourd'hui 21 juin, nous sommes en direct de l'aéroport d'Ajaccio, c'est la fête de la musique et nous allons vous montrer comment ça se passe au niveau des départs. Il y a l'avion de Paris qui part à l'instant. Voilà, nous sommes au niveau de l'enregistrement. Et il y a le groupe Corsica, donc. Monsieur, on vous a vu filmer, c'est votre dernier souvenir de Corse avant de partir? Je suis ici pour préparer mon vol de demain et je suis surprisé de ça. J'habite aussi de player aux guitares, mais c'est formidable. Oui, merci. Nous allons retrouver Irène Touémont, qui s'occupe des événements culture pour Air France. Oui. C'est vous qui avez mis en place cette opération? Oui, j'ai été très aidée, très accompagnée, parce que nous sommes plusieurs ambassadrices. Et surtout, j'ai un collègue qui m'a prêté main forte. Mais vous avez voulu mettre ça à l'honneur, la Corse à l'honneur? Oui, tout à fait. La culture client est un pur produit Air France. Mais nous n'oublions pas notre identité corse. Et comme nous avons fait un premier événement à Pâques, nous avons distribué nos cacavelli. Aujourd'hui, nous faisons la fête de la musique avec notre musique à nous. C'est important, c'est la première fois à l'aéroport d'Ajaccio? Non, c'est notre quatrième événement à Ajaccio. Mais pas de la musique? Non, la musique, c'est la première. Et c'est le premier événement, c'est le 21 juin. On en a profité, nous avons un vol Air France. Il ne faut pas oublier que les événements ne couvrent que les vols Air France. Donc aujourd'hui, nous avons eu de la chance, il y a un vol Air France. On répond présent, on est là, avec notre hiérarchie, bien sûr, qui nous... Et on va écouter alors un peu ce qui se passe, on va écouter. Hein. Nous, avec plaisir. Allez, on y va. Merci d'être avec nous. Ça a été? Oui, très bien. Sono un
L'enregistrement en chanson, un jour de fête de la musique, c'est plutôt agréable. Ah bah c'est toujours sympa la musique, oui. J'ai l'habitude de l'entendre dans les gares, il y a des pianos en libre-service et là, le continent, de belles voix, c'est canon. Ah bah oui. Chanson Corse, vous avez eu le temps de découvrir ça pendant votre séjour ? Alors le séjour était rapide, c'était même pas 24 heures, mais entre le beau temps, les paysages et les chants, c'est parfait. C'est de la musique, faire lire sur ça, c'est pas mal comme des notes. Et vous, travailler en musique, c'est plutôt sympa ? Ben, en fait, j'aimerais tous les jours de la musique, à vrai dire. Donc un jour par année, c'est pas suffisant. Pour la fête de la musique, on chante un peu en enregistrement ? On chante pas trop, on évite, hein, parce que... Non. Mais bon, c'est agréable, c'est très agréable, c'est une très bonne initiative. Je m'appelle Gérard Saint-Brice, magicien avec tambourin. Jouer dans un aéroport, c'est une première ? C'est complètement une première. Je jouais plutôt dans les gares, dans les métros. Non, c'est sympa de faire ça pour la fête de la musique ? Oui, très bien, c'est très bien. Ah merde ! Oui, c'est très très bien, c'est très très bien. C'est la première, c'est une première. Tout le monde est attentif, c'est super. Et ce soir, vous allez jouer ailleurs avec votre groupe ? Non, moi, je suis de repos, je vais aller écouter ce soir. Ouais. Vous voulez jouer ? Je rappelle que la fête de la musique, c'est plein de choses aujourd'hui.
17h du jazz à Loupine par exemple, entre 18 et 20h des chants polyphoniques dans les églises à Bastia. Et il faut rappeler que du côté de Bastia, la ligne 1 de bus et la navette de l'Arinée là, seront gratuites jusqu'à 1h du matin. À l'île Rousse, à partir de 20h, trois groupes se succéderont place Paoli. Et un grand bal suivra à partir de 22h. Du côté de Calvi, des animations musicales à partir de 17h dans la citadelle sur le port. Porto Vecchio, un grand concert à partir de 22h, un concert gratuit avec Kyle Eastwood, le fils de Clint Eastwood, ça c'est du jazz. Du côté de Corté, des animations un petit peu partout dans les rues. Ajaccio, une ambiance gadget. Et attention, beaucoup de rues du centre-ville seront piétonnes. Voilà, la fête de la musique, c'est ce soir et on vous laisse en musique.